Comment il est? Bon, c'est James qui est là depuis samedi. Depuis samedi? Nous passons peut-être 3 jours avant Texas là. Après, dans dimanche, les balles ont dégénéré. Nous sommes obligés de retourner au Mexique. Mais ces pattes là, c'était dans l'autre centre réfugié. On sort des réfugiés qui abandonnaient là dans notre pays avant. Après, les balles ont dégénéré. L'immigration a demandé de nous quitter l'espace là. Nous étions obligés nous-mêmes de nous échapper avant. Après, nous avons parlé. Nous avons un consensus maintenant. Oui, tout le monde est là. Nous avons réuni là maintenant. Bon, comme ça a passé, mais jusqu'à présent, nous avons une mesure de sécurité qui est mieux. Nous avons aller mieux, au moins traitement pas même encore. Donc ça veut dire que nous avons la police mexicaine qui avait nous passé maintenant, il y a la police qui a fait poste. C'est ça, non, c'est pour protection, non? Oui, normalement, il y a un militaire mexicain qui est devant. Il y a des gens manger, même là, c'est pas trop bien. Mais quand même, il y a des gens aller mieux, il va dormir dans la poussière là encore. Et quoi rouge mexicaine est là aussi. Et qui est-ce que nous sortis en vente en bas pour Il y a des gens qui sortent tout partout. Mais la majorité, c'est Chili, Brésil. Mais en principe, où viennent là, et volontairement, c'est pas sous, pas nous apprendre que la police mexicaine a arrêté. Tout le monde est joué dans la rue pour venir mener là. Tout. Bon, moi-même, espace là, c'est pas la mienne. C'est pas la mienne. Je suis sauvé avant. Je suis sorti avant. C'est après, je viens tourner là. Et je dis à la tourner là. Mais l'autre monde, lui-même, c'est pression police mexicaine qui fait maintenant qu'il a réuni tout partout. Là. Quand même. Oui. Mais pour plus ou moins, vous sentez mieux bon, là, en attendant ça qu'a fait là, la fête? Oui, non mieux. Et puis, pression qui était sous nous. Après, nous sommes regardés un journal mexicain. Côté président, parlé, il dit tout haïtien. Il y a un côté où il y a un réfugié. Malgré ou pas qu'il y a fait l'autre bagarre, il n'y a pas accès au travail. Mais quand même, ce qui est un bagarre, vous régler, vous pouvez aller régler très facile. Ok, d'accord. Eh bien, donc, rappelez les téléspectateurs de la Voix d'Amérique, non, et puis qui est sorti en Haïti? Non, pas M. Charles James Kim, c'est Timon Cabaret, 4e section, Casal. Casal, ouais. Ok, la Voix d'Amérique dit un gros merci. Merci, toi. Ok, Charles James Kim. Ok, d'accord, c'est encore nous tous dans le centre, tout le côté de la faute, parler avec quelques compatriotes qui ont même fait route là, ils viennent là, ils sont là de façon temporaire, côté où ils parler avec l'autre monde, côté nous ils aussi rencontrer avec l'autre compatriote qui est là encore. Et, jeune homme, non? On a parlé avec la Voix de l'Amérique, pas vrai? Oui. On a parlé avec la Voix de l'Amérique, pas vrai? Oui. Eh bien, bon, d'accord, et comment elle est, qui est-ce que vous êtes? Moi, elle est Jovens Maslin. Jovens Maslin, monsieur Maslin, alors dis-nous, ou même, ou là, moi, offrez là, papa, pas vrai? Oui, on peut là, on peut. Oui, on peut là, on pose là. Dis-nous qui j'ai été en bas pour tout? Oui, en bas pour moi. Même moi, bah, je viens chaud, y a voué mon Haïti. Et bien, nous même nous replier. Nous replier. Nous replier. Et nous replier au Mexique. Et les Mexicains, vous semblez accueillir nous? Oui, accueillir nous très bien. Ils vont nous côté mettre, puis ils vont nous manger, ils vont nous faire chaque jour. Et puis, ils mettent nous là, nous à l'aise. Nous attendons pour nous si le gouvernement est capable de nous papier, puis pour nous chercher travail, pour nous travailler. Donc ça veut dire que si le gouvernement est signé nos papiers, nous n'avons pas de problème pour nous être ici? Oui, nous avons été pour le travail. Donc les États-Unis ne vont pas intéresser nous encore? Non, ils ne vont pas intéresser. Parce que depuis que nous avons un travail, et puis nous avons besoin de famille, nous ne pouvons pas être nous. Famille ou pas la famille montée pour arriver là? Oui, je parle avec eux. Et ils ont des côtés? Oui, ils ont des côtés. Donc le trajet n'est pas facile pour nous, pour arriver là? Non, le trajet n'est pas facile, non. Mais bon, Dieu fait nous arriver. Sans problème, malgré nous, il y a des gens qui mourent, des gens qui ont des problèmes dans la route là, mais bon Dieu fait nous arriver et puis, bah, on est venu arriver comme ça. Et puis, bon Dieu fait nous, parce qu'on n'a pas que les gens qui sont à Haïti, parce qu'on n'a pas de bail, si on est qu'on est à Haïti, on n'a pas de couilles à le fouiller tête comme ça. Bon. Ouais. Et nous même nous replier là, parce que si on n'a pas de papier là, on a travaillé, on a carré des familles nous. Et puis, oui, parce que le gouvernement a dit depuis nous respecter le pays à Banou Babie. Oui, depuis nous respecter à Banou Babie. Okay, d'accord. Donc, rappelez-vous, les spectateurs de la Voix d'Amérique, non encore? Jovens Maslin. Jovens Maslin. Et qui est soutien en Haïti? En Sapit. En Sapit. Donc, Jovens Maslin, monsieur, son ex-frontalier qui se dit frontière dans la zone sud-est. Donc, monsieur, c'est Jovens Maslin, c'est un compatriote, non? Et qui t'a parlé avec nous, qui t'a raconté nos voyages, parle côté de sortir et arriver là. Mais on vient là volontairement, c'est pas militaire qui mène, on vient là. Non, il va militer, il parle pas avec nous, il parle avec nous mais nous même nous vivons. Parce que quand on voit, il parle avec nous, dit pour quitter ce passage à nous côté pour nous être. Nous quitter le bail nous. Tu viens pas avec nous en bas pont. Oui. Et grand pile nous qui choisit faire suivre ça dit nous. Oui, en bas pont, il parle avec nous, il dit nous pour nous monter machine pour aller l'autre bois. Mais nous même qui voit bail, c'est mon y a voyer Haïti et puis nous même nous replier sur bon mexicain. D'accord. Nous replier et puis et vous pensez qu'on fait un bon choix? Oui, on fait un bon choix parce qu'on n'a pas qu'être avec les gens qui sont ensemble avec nous. Actuellement, la Haïti a crié. Okay. Mais nous-mêmes, nous, là, jusqu'à présent, nous,
Nous en bataille toujours. Nous en bataille toujours. Voilà, Jovin Masselin qui t'a parlé avec nous là depuis Saint-Lan. Et qui est le Saint-Lan encore ici là? Acuña. Acuña, non, Acuña, au Texas, côté, au Mexique. Côté, nous, je ne suis pas ici, c'est là où je viens pour réfugier, là, attendre que si on va cap tomber là. Moi, c'est Jean-Baptiste qui a salué nous et qui a dit nous bonne fin d'après-midi et qui a remercié tout le monde le fait que nous sommes branchés sur la voie d'amis. Bye bye tout le monde. L'image que vous avez regardé dans la télévision dans le week-end, montre les gens qui sont dans l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale, qui ont vidé sous frontière États-Unis, partagé avec le Mexique. En pile d'amis immigrants, c'est les Haïtiens qui sont dans le Brésil et le Chili. Aspect qui paraît frappant dans la situation, c'est que l'administration président Joe Biden a commencé à déporter les Haïtiens. Il y a un bagage qui n'a pas fait Haïtiens dans la Floride, il y a plaisir du tout. Non, c'est ce mauvais bagage parce que mon yo c'est aider c'est help yo besoin help de États-Unis. Les États-Unis a voyé back Haïti en plus là-dedans qui quitte Haïti depuis longtemps. Yo pas jambe yo pas grand rapport avec Haïti mais qu'on a yo pas vivre Haïti là tout déjà trop dur pour yo plus dur que côté territoire avant. Jimmy, pour moi même c'est pas bon parce que Haïti pas bon qu'il y a dans moment là. Avant de sortir d'Haïti, je me suis dit que Haïti et pour déporter Haïtien à l'Haïti. Mais j'ai vu une plus. Et en fait, on dit que les gens ont quitté la caillou. Et comme des gars, les gens ont quitté la caillou, ils ont fait comme ça. Mais c'est par rapport aux gens la caillou qui fait que les gens quitté la caillou. Pour les gens, c'est les gens qui ont dépensé pour aider 3, 5, 5, 10 000 dollars pour venir voir ici. Bon, on est là retourner à Haïti là, bon, il va gagner rien encore parce que moi croire que ce gars monde c'est petit cochon bien c'est petit bœuf qui était vendre pour venir ici pour faire route côté pour passer pour venir. Et il fait Texas là. Bon, si l'état mandé pour que la recevoir, faut l'état regarder pour voir ça on sont dépenser pour te quitter hein. Crise immigration ça pose un gros problème pour l'administration Biden là. Qui malgré promesse était fait leader haïtien yo pour aider immigrants haïtiens pendant campagne li. Pourquoi qu'a joindre une solution valable pour dossier immigration? Jimmy Jacques, West Palm Beach, État Floride, pour la Voix de l'Amérique. Migrants haïtiens États-Unis arrêtés sous frontière État Texas avec Mexique et puis déportés à privé Haïti chaque jour. Giuseppe Loprete, chef mission Organisation internationale migration pour Haïti, Diveo à Creole Jodia gagne à peu près 6 vols déportation américains qui atterrissent chaque jour dans Port-au-Prince à Cap Haïtien. Je dis en collaboration avec l'Organisation nationale migration et puis l'autre partenaire nous inscrivons sous liste nous. Autorité immigration haïtienne sous place tout leur arrivé. Nous offrions manger, kit hygiène. Pour famille, nous bayons kit qui gagne bagaille pour timonio. Savon, brosse à dents, bagaille au cassebi tout de suite pour rafraîchir koyo après au passé journée longue dans situation ça. Et puis, nous référions à soins médicaux avec la Croix-Rouge haïtienne et puis équipe médicale OIM dans tout si au besoin. Soin. Et puis, nous gagnons psychologues sous place parce que quelques migrants sont très émotionnés. C'est difficile pour eux en pile. Surtout au moment côté avion a atterri et puis ils ont réalisé que c'est Haïti qui est tourné. À partir de jeudi, mardi 28 septembre, migrants vont recevoir 120 dollars que ont servi pour recommencer vie en Haïti. And we offer a cash support that as of today will be the equivalent of $120. So Monsieur dit, nous offrions l'argent cash, à peu près 120 dollars américains. Nous tapons 100 dollars avant ça, mais à partir de jeudi, nous payons 120 dollars. Nous augmenter somme non pour nous aider au moins passer le premier jour en Haïti puis bien. Nous constater en pile famille qui gagne timoun. Donc l'argent cash ça aider yo. Li pas qu'à aider recommencer vie mais au moins le arrivé ça aider yo acheter produit première nécessité. Monsieur Loprete fait qu'on est à cause insécurité, migrants yo fait face à un pile danger le yo tourner dans pays.
The airport itself is an area in an area that. Monsieur dit aéroport lui-même situé dans une zone qui est dangereuse, le soleil l'a couché. Donc, par exemple, il y a une bagaille que nous faisons pour aider les migrants, de prospective OIM, c'est dit autorité, prends précaution, nous ne pouvons pas arrêter dans l'aéroport après 6 heures. Et même ça, trop tard. Les migrants ne sont pas capables de débarquer dans l'aéroport à 7 heures, 8 heures, 9 heures du soir. Si ça arrive et ils sont dans la zone, ils ne sont pas capables de déplacer. Lorsque ça arrive, nous allons mener dans l'hôtel. Côté, ils ont passé nuit là et puis nous tournons chercher le matin pour bailler l'argent et puis ils ont fait autre. Donc, nous pas bailler l'argent cash dans la nuit pour éviter d'exposer à danger. D'après chef OIM en Haïti, pays n'a pas en mesure pour recevoir paquet monde sa yo. Et communauté internationale là, t'a dû travailler ensemble avec Haïti pour chercher solution pour problème tant que chômage, avec la misère qui la cause haïtien sa yo a couru quitter pays. Sandra Lumer pour la Voix d'Amérique, Washington.